que je vais exploser en vidéo les gars. Et une petite flame CGX, donc aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ma chaise gaming qu'on m'a envoyée, que Nitro Concept m'a envoyée. Ça me fait grave plaisir les mecs, parce que mon ancienne chaise, eh bah elle pue tout simplement la merde. Je l'ai cassée en deux limites. Je mettrai des images à la vidéo les gars, mais j'ai vraiment cassé en deux la chaise. Du coup là, il m'a envoyé une chaise franchement très très clean. Je trouve que vraiment elle est ultra clean. C'est pas pour faire genre le mec parce que je suis en partenariat avec. Il m'a envoyé gratuitement les gars, j'ai pas été payé pour faire ça. Il m'a envoyé ça gratuitement. Donc voilà, il y a des bonnes petites fonctions les gars. Donc voilà, j'aurais bien voulu la monter en vidéo, mais mon papa, tellement qu'il est gentil, bah il me l'a monté pendant que j'étais pas chez moi en fait. Et bah du coup voilà, il l'a monté et puis ça donne ça. Bon, je me suis dit on va pas faire genre le mec qui la remballe et qui la démonte et qui la remonte en vidéo. Donc voilà, tous les liens sont en description les gars. Je vais vous montrer des particularités de la chaise qui font que bah c'est une bonne chaise. Franchement, j'ai joué genre un jour avec et pour l'instant bah je trouve pas encore tellement de défauts franchement. La qualité et tout, c'est vraiment bien. Par exemple ça, vous pouvez voir que c'est vraiment bien cousu en fait. Genre c'est pas genre de la merde et tout. Genre c'est bien cousu, je sais pas comment vous dire. Mais en fait voilà, par exemple ça derrière aussi. Donc voilà, c'est vraiment une bonne chaise. Regardez, on l'enlève, paf, on voit ça. Donc il y a un coussin qui a été donné avec. Et un deuxième autre coussin que je ne sais plus où est-ce qu'il est. Il est en dessous, voilà. Avec un deuxième pour le dos je pense. Je pense que c'est pour le dos, mais bref, moi je n'ai pas trop besoin pour l'instant. Donc voilà, une bonne petite chaise les gars, franchement, assez vraiment sympathique. Merci à la marque qui me l'a envoyé, franchement. Je vais vous montrer des particularités comme j'ai dit. Mais voilà, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner les mecs et à mettre un petit pouce bleu. Je reprends mon YouTube les gars, je suis désolé, j'ai été inactif. Alors les gars, il y a un pote qui m'a passé un PC portable que je vais exploser en vidéo les gars. Il me l'a donné, c'est une seule condition. En fait la condition, parce qu'il me l'a donné, il m'a dit je te le donne à une seule condition, c'est que tu fasses une vidéo sur ta chaîne ou est-ce que tu l'exploses. Donc voilà, il me l'a passé, il fonctionne plus, vous inquiétez pas les mecs. Si vous bombardez la barre de pouces bleus les gars, il y a moyen qu'on l'explose à la fin de la semaine. Du coup voilà, si vous avez des serveurs Minecraft les gars et que vous voulez de la pub les gars, je suis disponible pour faire un live. Je vais faire des lives beaucoup, je vais faire beaucoup de lives, je vais faire un live tous les jours. Donc voilà, si vous avez un serveur Minecraft qui a besoin de pub, bah venez sur Twitter les gars, on gérera ça. Les prix sont vraiment très très aimables franchement. Et clairement bah la pub ça vaut vraiment le coup. C'est en réduction en ce moment en plus. Donc voilà, je publierai votre serveur en live tout simplement. En soirée, enfin dans la soirée en fait. Et comme il y a du monde sur mes lives, bah ils pourront venir tester le serveur et rejouer dessus si vraiment ça leur plaît. Enfin de la pub normale en fait. Et ça c'est cool parce que la pub est directement sur le serveur, pas comme en début de vidéo. Bref, c'est assez sympathique. Au fait, ça derrière les mecs, c'est à propos de mon serveur, c'est toutes les idées qui rejoignent le PVP, enfin le serveur plutôt. J'ai vraiment fait ça pour que vraiment je sois à fond dans le truc et tout. Du coup voilà, j'ai fait vraiment un truc de bâtard, hein, j'étais ultra chaud pour faire ça. Mais bref, voilà. Alors du coup, la chaise les gars, elle a des particularités. Alors déjà ça se monte, ça se descend les mecs. Donc voilà, vous pouvez voir. Voilà, on peut la reculer comme ça aussi. Bref, vous voyez, vous pouvez la reculer, l'avancer comme ça et la tourner aussi comme ça. Donc voilà, la qualité franchement de la chaise, je trouve super bien. Parce que regardez les mecs, je fais un petit focus et vous allez voir que genre c'est du tissu mais genre bien bien foutu. Genre clairement les gars, je kiffe m'asseoir dessus. Après en plus, on peut s'allonger dessus limite. Alors attendez, alors il y a une poignée juste ici les mecs. Alors vu que j'ai que le téléphone de mon frère, attendez, voilà. Voilà, je peux la mettre comme ça la chaise pour faire le con. Franchement ça c'est cool. Pour vous dire les mecs, la chaise est plus agréable que mon lit. J'essaierai de dormir un jour dedans ou de faire un live 24h, ça pourrait être cool. Du coup voilà, la chaise est assez cool. C'est bien mou je trouve, genre enfin ça va encore, c'est pas genre un truc de merde. Clairement ça passe vraiment 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 en crème. Le logo il est nickel aussi. Tous les liens sont dans la description les gars. Et puis voilà, si vous avez un serveur à pub, bah regardez dans la description. Venez négocier sur Twitter. Ça peut être vraiment cool de faire ça aussi. Les prix c'est vraiment pas des trucs de chien en fait. C'est pas du 100€, du 50€. Enfin vous allez voir, c'est vraiment des prix très 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 bas les gars. Bref, je vais remettre la chaise droite. Ok, on peut aussi monter et baisser la chaise. Enfin comme sur plein d'autres chaises. Donc là normalement elle est baissée, vous allez voir, elle va monter. Donc les mecs vous allez voir que là, voilà, franchement c'est une bonne chaise je trouve. Je trouve vraiment que ça ajoute quelque chose à mon setup. Parce que avant avec une vieille chaise bah c'était pas la même. Moi je trouve que j'ai maintenant un nouveau setup. Enfin c'est un peu chelou, mais bref voilà, c'est assez cool. Comme ça au moins c'est agréable quand je fais des vidéos, quand je monte des vidéos, quand je joue, quand je fais des lives. Franchement c'est assez cool, je fais un live par jour en ce moment. Donc voilà, c'est pas déjà fait, mettez la petite cloche aussi, ça peut être super sympa. Et puis venez passer, je joue beaucoup avec vous les gars. Je vais bientôt ouvrir un Discord pour que vous puissiez jouer avec moi et record aussi surtout. Donc voilà, la petite notice. Voilà la notice. Bah moi je l'ai même pas lu les gars. Donc mon père m'a expliqué qu'il y a bah une pièce en plus pour chaque type de boulot en fait. Et du coup voilà, c'est assez cool quand même. Mais bref, normalement il n'y a pas trop de problème à ça. La chaise est assez lourde aussi les gars. La chaise est assez lourde. Les pieds sont comme ça aussi les gars, j'ai pas dit. Mais genre les pieds de la chaise sont comme ça. Elle est assez genre comment dire, elle est assez dure en fait. Ça fait que quand vous roulez, vous, il y a limite pas de bruit. Puis genre c'est assez genre fluide, enfin je sais pas comment dire, mais c'est assez cool. Donc voilà, c'est vraiment pour moi une bonne chaise. Tous les liens sont dans la description les gars, y compris pour pub vos serveurs. Du coup voilà, c'était une vidéo où est-ce que je reprends bah, la chaîne tout simplement. J'ai un peu fait une petite pause mais ça m'a fait du bien quand même. Là je suis vraiment chaud les gars. Du coup voilà, moi je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Je reprends les vidéos en masse donc c'est pas déjà fait. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, activez les notifs. Je fais des lives tous les jours. Du coup voilà, venez sur Twitter, négociez des prix de serveur les gars. Les prix sont vraiment vraiment bas donc si vous avez
installer un serveur, bah profitez-en les gars. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur Westimer les mecs, c'était JX.